Je propose donc la boîte à meufs de Manu. Alors attention parce qu'elle est magnifique, elle fait... Parce que c'est notre projet. C'est l'heure des infos de Viso. Le tribunal des comiques qui nous observe. Bonsoir à tous. Ouais. Et on commence par la politique française. Emmanuel Macron se rendra en Algérie le 6 décembre prochain après le Louvre à Abu Dhabi. Il va rendre visite à Abdelaziz Bouteflika. On est donc certain, il aime les antiquités. Et l'inverse est vrai aussi, puisque Alain Juppé multiplie les louanges à l'adresse d'Emmanuel Macron. Il n'est donc jamais trop tard pour faire son coming out. Et c'est pas fini, puisque Macron sort Jean-Louis Borloo de sa retraite aussi. Et ça fait beaucoup. Et son plan, en fait, pour réduire le déficit des retraites, c'est de les remettre un par un au boulot. Et c'est une bonne idée. Et qui sait peut-être de faire à tous les retraités un beau cadeau, celui-ci, une boule à neige de Noël à son effigie, c'est vachement beau. Voilà, c'est purement décoratif, ça s'agite dans tous les sens, on ne voit que des paillettes. Et pourtant, ce n'est pas la politique sociale du gouvernement, c'est la boule à neige de Manu. Et donc, voilà, vous avez aimé celle-là, je propose donc la boîte à meux de Manu. Alors attention, parce qu'elle est magnifique, elle fait... Parce que c'est notre projet. Allez, passons à droite. On a besoin de la famille pour vivre. Nicolas Sarkozy met en garde Laurent Wauquiez. On a besoin de la famille pour vivre. Fake news, aurait déclaré Xavier Dupont de Ligonnès. La nouvelle vie de Marion Maréchal Le Pen, elle se serait reconvertie dans le privé et pourrait fonder une école. Et ça, c'est vrai qu'à force de fréquenter les meetings du Front National, elle s'est rendue compte qu'en fait, le vrai problème, c'est l'éducation. Passons à gauche avec la France insoumise. Raquel Garrido arrête la politique. Elle a choisi la télévision, évidemment. Alors, en apprenant cette info, mon chauffeur de taxi m'a demandé si vous pouviez peut-être proposer un job de chroniqueuse à Anne Hidalgo. Ça lui ferait bien plaisir. Parlons d'Hidalgo, justement. Le tribunal administratif de Paris confirme la suppression du marché de Noël à Paris. Et c'est triste, c'est triste. Vous imaginez le désarroi de ces touristes chinois qui, cette année, n'auront pas le bonheur d'aller au marché de Noël pour acheter sur les Champs-Élysées des souvenirs fabriqués par leurs propres enfants. Et c'est vraiment triste. Gauche, toujours avec une bonne nouvelle pour le cinéma, Arnaud Montebourg devient acteur. Il est au casting de la suite de Neuilly, sa mère. Oui, c'est déjà marrant, mais la vanne arrive. Alors attention, vous n'allez pas être déçus. Parce que l'article explique qu'il jouera son propre rôle. Donc voilà, bon, c'est un début, il fera sans doute de la figuration. Mais on lui souhaite le meilleur et surtout Montebourg au cinéma. C'est la première fois que le public français pourra voir sa tête aussi grosse qu'il ne l'a. Terrorisme à présent. La santé mentale de Salah Abdeslam inquiète les autorités. Tu m'étonnes. Mais est-ce qu'il aurait été pas mieux que les autorités s'inquiètent de sa santé mentale avant les attentats? Ça aurait pu être une idée. Non, parce que là, faut être honnête, faut pas être Freud pour lui diagnostiquer un petit souci. Et puis, est-ce que c'est vraiment la bonne semaine pour se poser la question? C'est un petit peu comme si on attendait le 11 septembre pour s'inquiéter de savoir si Oussama Ben Laden a beaucoup de miles sur sa carte American Airlines. Société. Seine-et-Marne, en 2017, un homme accusé d'avoir violé une fille de 11 ans acquitté par une cour d'assises. Et moi, je serais à la place de ce gars-là. Fort de cette première victoire, j'hésiterais pas peut-être à porter plainte contre la fillette. Ça se tente, ça se tente. C'est la justice française, ça se tente. International. Selon le Washington Post, Trump ment environ 5,5 fois par jour depuis le début de sa présidence. Même François Fillon, en entendant ça, a déclaré « j'étais pas prêt, j'étais pas prêt ». International toujours, la clinique suisse qui soigne les addicts au sexe. Et c'est bien, franchement, de mettre ça en Suisse, parce que quand t'arrives en Suisse, si tu débandes pas, c'est vraiment que ton cas est désespéré. Et je sais qu'on nous regarde depuis là-bas, et c'est pour moi l'occasion de saluer mon prédécesseur, Gaspard Proust. Bon rétablissement, vieux. Science.
France. L'espérance de vie des Français est de 82,4 ans. L'année dernière, elle était de 82,05 ans. Alors, ça paraît peu comme ça, mais ça fait tout de même une différence de 18 émissions de Vivement Dimanche. Et ça, c'est chouette. Une étude à présent, elle montre que les chagrins d'amour entraîneraient des troubles cardiaques durables. Et ce qui me permet de vous donner le titre du prochain ouvrage de Valérie Trierweiler. Merci pour ce triple pontage coronarien. Valérie Trierweiler qui, cette semaine, a démenti être avec Alain Delon. Et on la comprend, Valérie Trierweiler, elle est plus prête pour faire comme ça couple à trois. Hein, ici, elle aurait été avec Alain Delon et Alain Delon. Et c'est pas évident. Média. Télévision, les chaînes Public Sénat et LCP vont fusionner. Et pourtant, mon médecin, il m'a toujours déconseillé d'additionner les somnifères. Mais on verra. Netflix à présent a annoncé cette semaine, bonne nouvelle, que Gad Elmaleh lancera sa série inspirée de sa propre vie. Alors bon, moi je sais pas si c'est très intéressant une série comme ça où on voit un gars regarder des spectacles de Jerry Seinfeld, mais voilà, on sera au rendez-vous, on sera au rendez-vous. Et au cas où il aurait pas de titre pour la série, je propose CTRL-C, CTRL-V. La certitude de ne pas tourner dans Coco 2. Allez, les brèves. États-Unis, il glisse dans un supermarché et récupère 7,5 millions de dollars. Entendant ça, Florent Pagny aurait été aperçu dans un vol depuis le Portugal direction les States avec un sac de course rempli de bananes. Tonon les bains, à vélo et ivre, il exhibe son sexe tout en insultant une passante. Eh ben oui, mais c'est une bonne nouvelle pour nous les hommes. Il n'y a pas que les femmes qui sont capables de faire deux choses en même temps. Et un cran au-dessus aux États-Unis, il est nul en sexe oral et lui tire deux balles dans la tête. Alors, oui. Putain. Le pauvre, non. Si ça se trouve, c'est elle. Elle ne savait pas qu'elle était vaginale. C'était peut-être elle, mais je veux dire, en même temps, cette triste histoire nous rappelle à tous les hommes que c'est une bien mauvaise idée que de bâcler les préliminaires. Et la bonne nouvelle, bon, c'est que l'homme, miraculeusement, il n'est pas mort. Non. Si, je vous jure que oui. Donc, on peut donc conclure que dans cette affaire, il y avait deux mauvais tireurs. La dernière brève, Venise, un couple de Français interpellés après avoir volé une gondole. Un petit week-end en amoureux pour les Balkany. Et maintenant, l'artiste de la semaine. Ah ouais, vous aimez culture. Ça. Culture, je vous emmène à Tours, au Centre de création contemporaine où Klaus Rinke expose jusqu'au 1er avril, il n'y a pas de hasard. Klaus Rinke, artiste allemand, dont on va le voir, le bureau est manifestement aussi ordonné que le cerveau de Bernard-Henri Lévy. Et on commence par une œuvre de jeunesse, le portrait qu'il a fait de son ami artiste, on va le voir, Joseph Beuys. Alors c'est vrai que quand on voit l'œuvre, on peut penser qu'après il n'était plus ami, car si on la retourne, on ne va pas se mentir, on dirait un peu un prépuce déguisé en Batman. Mais une grande partie de son œuvre, ce sont des photos à coller. Celle-ci notamment qui date de 72, et voilà, sorte de réflexion sur les frères Dalton. Et aussi les photos suivantes, vous allez voir, c'est assez joli. C'est chaque fois lui, hein, dessus, ici, il s'agit d'une trouvaille assez intéressante, sorte de Kama Sutra pour célibataire. Celle-ci aussi est intéressante, c'est quand on essaie de traduire en langage des signes la pensée complexe d'Emmanuel Macron. Ça peut s'avérer dangereux, mais les plus sympas sont celles-ci. Et je trouve qu'elle est très belle, celle-là. Mais alors, évidemment, comment comprendre l'image? Alors, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Eh bien, sans doute que l'homme n'est pas très doué pour le cache-cache, parce que la fille risque de très très vite le retrouver. Mais ils ont fait une deuxième partie, et voilà, il y a du mieux, mais voilà, on n'est pas sûr quand même qu'il va gagner. Et à Tours, vous verrez surtout des installations, parce que à la fin de sa carrière, elle a fait plus d'installations. On va en voir ici une œuvre monumentale de Klaus Rinke, l'Instrumentarium, une œuvre constituée essentiellement de cloches et de tuyaux, hein, exactement les mêmes ingrédients que dans les œuvres de Jackie et Michel. Et enfin, ma préférée, celle-ci, qui s'intitule « Il ». Et on imagine ce que pense Jésus là derrière. Putain, je suis vraiment pas le mieux placé pour ranger tout ce bordel.
Voilà, allez à Tours. Car n'oubliez pas que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. À la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.